Bonjour et bienvenue dans la leçon sur le son A. Je vais vous parler dans cette capsule vidéo du son A et du son O. Ce sont deux sons différents, mais qui s'écrivent parfois de la même façon. Ils s'écrivent parfois de la même façon, mais se prononcent différemment. Ici, vous avez le symbole phonétique du son A. La bouche pour le son A, elle est ronde. A. A. On voit ici, la bouche, elle est ronde. Donc, la position des lèvres, arrondie. Arrondie. Les lèvres sont arrondies. A. A. L'ouverture de la bouche, mi-ouverte. Hein, mi-ouverte. Donc, A. A. Il y a une ouverture. Mi-ouverte. La position de la langue, c'est en arrière. A. A. La langue est en arrière. Donc ici, ça c'est une bouche. Donc vous avez ici le cou. Ici, vous avez le menton. Hein, ça c'est le menton, ici. Ici, vous avez la lèvre. Ici, vous avez l'autre lèvre. Puis ici, vous avez les dents. Ici, c'est les dents. Et ici, vous avez la langue. Donc, la langue, c'est cette partie-là. Ça, ici, c'est la langue. Ici, c'est la langue. La langue. La langue, elle est en arrière. Hein? Elle ne vient pas ici. Elle est en arrière. A. 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 Hein? Les lèvres arrondies. L'ouverture de la bouche. La langue. A. A. Donc, la langue, elle est comme ça. L'orthographe normale. Du son A. L'orthographe normale, c'est un O. Hein? Comme ici dans pomme, pomme, homme, homme, sport, sport, école, école, corps, sortir, sortir. Donc, pomme, homme, sport, école, corps, sortir, c'est le son A. Ce n'est pas le son O. Hein? Pomme, homme, sport, école, corps, sortir. C'est pomme, homme, sport, école, corps, sortir. Donc, c'est le son A. L'orthographe normale, c'est un O. L'orthographe exceptionnelle. L'orthographe exceptionnelle, O avec un accent circonflexe, hôpital, c'est pas hôpital, c'est hôpital, deux O, alcool, alcool, A-U, Paul, Paul, c'est un prénom, hein, c'est un prénom. Album, c'est un U. Donc, album, Paul, alcool, hôpital. Donc. Donc, ça, c'est l'orthographe exceptionnelle. Pour le son O, hein, ça ici, c'est le symbole phonétique du son O. Le son O, les lèvres sont arrondies. Okay? Les lèvres sont arrondies. O. 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 Donc, la position des lèvres arrondie. L'ouverture de la bouche, mi-fermée.
Donc, ici, pour A, il y a une ouverture, A. O, l'ouverture est plus petite. Donc, A, O, A, O. Donc, l'ouverture de la bouche est plus petite, mi-fermée. Et la position de la langue? La position de la langue? Ça, c'est la langue. La langue, elle est en arrière aussi. Donc, ça, c'est mes dents. Ma langue, elle est en arrière. O. 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 Donc, ça, c'est la position de la langue. L'orthographe normale. Ici, le O fait le son O et le son A. OK? Il y a une confusion. Par exemple, ici, un piano, une rose, un sirop, un repos, un idiot. Donc, avec le O, je peux faire le son O, mais je peux aussi faire le son A. Donc, il y a une confusion. A et O. Ici, c'est O. E-A-U. Le E-A-U permet de faire le son O. O, comme dans marteau, chapeau. Le E-A-U est souvent utilisé à la fin du mot. E-A-U, E-A-U, ça fait O. Le A-U, comme dans pauvre, pauvre, fauteuil, fauteuil, eau, chaud, faux, faux, il faut, hein, faux et faux, ça vaut. Donc le AU, ça c'est le son O. Le O, accent circonflexe, donc un côté, un hôtel, un impôt, donc O. Maintenant, je vais faire avec vous un exercice de compréhension orale. Un exercice oral sur le son A et le son O. Quel son entendez-vous? Pardon, c'est une erreur. Quel son? Quel son entendez-vous? Je vais dire 10 mots et vous devez faire un X dans la bonne colonne. Ça, c'est A et ça, c'est O. A, O. Donc, je vais dire numéro 1, je vais dire un mot et vous devez faire un X. Numéro 1. Un côté. Un côté. Numéro 2. Un hôtel. Un hôtel. Numéro 3. Un sport. Un sport. Numéro 4. Une école. Une école. Numéro 5. Un marteau, un marteau.
Numéro 6. Sortir. Sortir. Numéro 7. Une pomme. Une pomme. Numéro 8. Un repos. Un repos. Numéro 9. Un homme. Un homme. Numéro 10. Faux. Faux. Pour la correction. Numéro 1. Un côté. Côté, ah, donc un côté, ici c'est le son O, côté, O. Numéro 2, un hôtel, hôtel, c'est le son O, hôtel, hôtel. Numéro 3, sport, sport, c'est le son A, sport. Le numéro 4, école, école, c'est le son A, école, A. Le numéro 5, marteau, marteau, c'est le son O, marteau, marteau. Numéro 6, sortir, sortir, c'est le son A, sortir. 7, pomme. Pomme, c'est le son A, pomme. 8, repos, repos, c'est le son O. C'est le son O, comme dans repos. Donc ici, homme, le numéro 9, c'est homme, c'est le son A, homme. Et le numéro 10, faux, faux, c'est le son O. Donc, faux, c'est le son O. Si vous avez de la difficulté avec ça, vous pouvez venir me voir et me poser des questions. Je vous demande de lire les mots à voix haute. Hein? Une pomme, une école, un repos, faux, un homme, un sport, un hôtel, sortir, marteau, côté, un corps. Donc, je vous demande de lire les mots à voix haute et de vous enregistrer. Donc, vous pouvez utiliser un téléphone, hein, comme un iPhone, pour vous enregistrer, vous pouvez utiliser une tablette comme un iPad pour vous enregistrer. Vous pouvez utiliser un ordinateur pour vous enregistrer.
mais je veux que vous enregistrez la lecture des mots et que vous l'envoyez par courriel à Éric, hein, que vous me l'envoyez par courriel pour que je vérifie votre prononciation. Si vous avez de la difficulté avec le iPhone, l'iPad ou l'ordinateur, vous pouvez venir me voir, je vais vous expliquer comment vous enregistrer pour faire la lecture de ces mots-là. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, venez me voir, je vais vous aider.